Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la Woofbox. J'ai fait un mélange entre la Woofbox et la Woofbox du mois de décembre. Voilà, je rattrape encore mon retard. Voici la petite Woofbox. Hop! Donc, je m'attarde pas plus longtemps que ça parce que bah, c'est la celle de décembre, donc c'est Miguel. Donc, voici. Hop! Le petit Woofmag du mois. Et il est trop mignon. Il est magnifique. Voici. On l'ouvre après, à la fin. Ouverture de la boîte. Oh. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Comme d'habitude, on commence par les bonbons ou les friandises, comme vous voulez. Alors. On commence par du Purina Fido. Pique-nique festival, ok. Alors on a, c'est en fait c'est des petits bâtons. Donc il y en a, alors 5 bœufs, 5 poulets et 5 à l'agneau. D'accord, ok, bon. Et des protéines, antioxydants, oméga 3, 6, vitamine B, ok. Il y a combien? Il y a 126 grammes, voilà. 126 grammes. Donc vous verrez en même temps les essais avec les chiens. Voilà, petit Fido. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a de la marque Riga, Chicos Apple. Il veut pas, il fait le focus sur ma tête. Voilà, Chicos Apple. Donc ça va être bah, du coup du morceau de pomme avec du poulet autour. Faible en graisse, ok. Ça a l'air pas mal. Aliments complémentaires comme d'habitude, 70 grammes là ce coup-ci, on a 70 grammes, je pense qu'ils vont aimer, de toute façon ils sont pas difficiles. Voici, hop. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, on a une troisième friandise, on a trois friandises. Ah bah du coup j'ai pas fait attention, mais du coup comme c'est celle de décembre, j'avais oublié, c'est celle de Noël du coup. Donc forcément les produits sont un peu à l'effigie de Noël, ce qui est normal. Donc on a encore des petits bâtonnets, donc Santa machin là, oui, Santa Straw, d'accord, j'en ai 6, d'accord, c'est en forme de, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est, on a ce mois-ci, bah, mois de décembre, on a, focus merci, des recharges sac à crotte, qui est assez pratique comme d'habitude. Plus vraiment d'utilité moi parce que je suis en campagne maintenant, bon, je vais utiliser, mais je les garde quand même, ça change rien, ça peut toujours servir. Donc voici deux recharges en plus, on a deux recharges de sacs à crottes, voilà. Toujours pratique. Ensuite, nous avons, alors ça c'est la première fois qu'on a un truc comme ça, je suis en train de lire ce que c'est. C'est des comprimés, carrément. Je sais pas si vous allez voir, est-ce qu'il va réussir à faire le focus, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, en fait ce sont des comprimés à croquer pour les chiens et ça permet de leur laver les dents. Donc ils croquent, c'est au fluor et ça leur lave les dents. Dentifrice à croquer au fluor pour chien, voilà. C'est pas mal du tout. Usage vétérinaire en plus. C'est une boîte de 25 comprimés, voilà. Donc par exemple, bah, là il y a la postologie, il faut faire gaffe quand même, faut pas trop leur en donner. Alors par exemple, moi Anakin il fait plus de 20 kg, donc je dirais, ouais, ils sont tous les deux à plus de 20 kg parce que Lucky fait 50. Donc c'est 2 comprimés par jour, hein. Bah quand même. Se donne de préférence en dehors des repas, comme une friandise. Donner bio Canifris, c'est la marque de la boîte, pendant 15 jours, lors de la première utilisation, puis régulièrement 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Donc il y a une date, juillet 2017, donc ça va, c'est encore bon, heureusement d'ailleurs. Donc à essayer, c'est la première fois que j'ai ça dans une Woofbox. Les petits comprimés comme ça, donc c'est à essayer, c'est intéressant. Voici, et en dernier, on a les jouets. Donc on commence par le plus petit, celui-là qui va pas tenir, qui va faire 2 secondes. Petit pingouin de Noël, voilà. Qui fait poète-poète d'ailleurs, un gros poète-poète, hein. Un gros poète-poète, voilà, bon, vous les connaissez maintenant, ces trucs-là, ça va pas tenir du tout, ça va faire 2 secondes, je vais leur donner, ils vont le mettre en miettes et puis voilà, hein. Ça va faire la journée. Donc pareil,
c'est pour Noël, c'était pour Noël. Il veut pas faire, voilà. C'était pour Noël, donc c'est marqué Merry Christmas partout, donc c'est normal. Donc en pingouin en vinyle, ok. Donc ça, ça va pas tenir, ça je suis sûre et certaine. Et ensuite nous avons, alors celui-là va tenir peut-être un peu plus longtemps. C'est un beaucoup plus gros, vous voyez. J'ai une corde en forme de couronne florale, on va dire, qu'on met normalement à notre porte. Moi je dirais que ça ressemble à ça. Voilà, si c'est plutôt ça, ouais. Qui est assez joli, c'est mignon. De la même marque, hein, tout est Pets Brand. Oui, ils aiment bien cette marque, hein, Woobox. Pareil, on peut mettre le nom, dire à qui on l'offre. C'est marrant. Comme les enfants, fait le focus. Il veut pas. Ah oui. Donc voici. Jolie petite couronne florale. Donc c'est de la ouate. Donc ça, je pense pas que ça va tenir. Il n'y a pas de pouette-pouette. Ah si, il y en a un. J'ai trouvé un. Il y en a un, bon. Il y en a un là. Là, ça traverse en corde et tout ça. Bon, faut essayer. Faut essayer. La corde, comme d'habitude, elle va tenir normalement. J'espère. On verra ce que ça donne, ça. Je vais voir au niveau de la résistance. Je suis pas sûre. Hein. Voici. Petite couronne florale. Donc, déjà, du coup, bah, il y en a plus déjà. C'est normal. On a atteint le nombre d'articles. Hop, on va fermer la petite boîte. Je la passe très vite fait, celle-là, parce que c'est celle de décembre, donc c'est normal. Voilà, toutou. On va faire le petit magazine. Hop. Donc, hop, petite couverture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Bah, ce mois-ci, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Des bouquets de peluches. Des câlins en pagaille. Alors, l'article, les babines de l'espoir, une association coup de cœur. Donc c'est une nouvelle association pour les animaux, pour les plus démunis. Ok. Ensuite nous avons un DIY de Noël. Donc c'est quoi? C'est marrant. C'est marrant parce que pour une fois, je sais pas si vous voyez ici, on voit une patte de chien en fait. Donc ça à votre chien en fait d'appuyer sur la patte pour faire son empreinte, pour faire des petits gâteaux à son empreinte de patte. C'est trop mignon. C'est pas mal du tout. C'est marrant, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Donc c'est frimousse-dog.fr qui a fait la recette. Ensuite, gourmandise, la biscuiterie de Médor, un vrai régal. Donc là on nous parle d'un produit... qui s'appelle justement la biscuiterie de Médor. Produit qui est dommage, comme d'habitude on n'a pas. Désolé, il y a de l'ombre. Produit qu'on n'a pas. C'est dommage, on nous parle d'un produit mais on peut pas l'essayer. Donc même un échantillon, on est bon, on ne demande pas non plus un gros paquet, un petit sachet comme ça. C'est pas grand chose. Mais bon. Parce que là, si ça nous intéresse, ben on l'a pas. Donc bon. Ah, on nous parle pour une fois d'une friandise qu'on va avoir dans notre box. Donc là, c'est le Fido. J'ai jamais donné de Fido à mes chiens. Bon, c'est du Purina, hein. Je pense pas que ce soit trop mauvais. Il doit pas y avoir trop de saloperies dedans, je pense pas. Donc il y en a plein. Il y a des tortilles, des twists avec du bacon et du fromage. Nous on a eu des sticks. On peut avoir des sticks que au poulet, donc des tout petits paquets. On a quoi? Dental Delicious Mini, donc c'est pour leurs dents. Et Daily Mix, donc c'est un mélange de tous les produits qui existent. Ça fait ça. Si vous allez voir comme il faut, voilà. Il y a différents produits. Ensuite, ouf, éducation, la friandise comme récompense. Donc voilà, vétérinaire comportementaliste, pardon. Donc si vous voulez apprendre des tours à votre chien, vous mettez une friandise dans votre main. Bon, normalement, vous devrez savoir, assis, tant qu'il n'est pas assis, bah, vous ne donnez pas la friandise. Hein. Et à la fin, vous allez voir, il va prendre ça pour un jeu. Et il va le faire tout de suite. Ensuite. Ouf, santé, reste en bonne santé avec Biocanina. Donc là on nous parle des fameux comprimés, pour moi c'est la première fois que j'ai ça, complément alimentaire, comprimé vétérinaire carrément, pour la Woobox qui est... c'est pas mal du tout. C'est une très belle initiative de la part de Woobox, donc c'est à essayer. C'est à essayer parce que bon bah ça relave les dents, ils ont le Dentastix mais ça fait un complément en plus quoi. Et la race de ce mois-ci c'est le bulldog français. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, le bulldog foncé. Il est marrant celui-là. Voilà. Et en dernier, les bouffes portraits.
Alors que je vous le passe. Non, je sais pas s'il faut qu'il se faire, je suis désolée. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Ah voilà, c'est un peu mieux là. Oh, c'est un Lucky là, non? Ah non, je pensais que c'était un Lucky. Oh, il est magnifique son chien. Il a les yeux bleus là, les gris, gris foncé bleu là. Il est trop beau. Donc voici, c'était la Woofbox du mois de décembre. De Noël. Désolée, elle est ressortie super en retard celle-là. Voilà, ça arrive hein. En décembre, j'avais pas encore. Si j'avais internet, mais j'ai pas d'excuse de toute façon. J'ai pas eu le temps, désolé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la date de sortie, un mois après. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les petits loups. Ciao ciao.